Allez, on attaque par du Assassin's Creed. Wouh! Donc on va avoir progressé. Profiter que l'autre gang il travaille parce que quand il va arriver, vouloir jouer à son jeu de merde. J'ai regardé, il y a plein de jeux qui m'intéressent. Ben, je peux faire le, tu sais, le genre, je débranche le câble internet et j'ai plus internet. Peux faire ça, hein. J'arrive, hop, je débranche le câble, je lui dis, oh, j'avais pas internet hier. On va de grosse pute. Oh, il est saoulant avec ses jeux de merde. Il veut jouer à des jeux de merde. Ah, regarde, il m'a fait acheter Rider of Republic. Il y joue même plus. On y a joué quoi 10 minutes. Bon, moi j'y joue plus parce qu'il m'intéresse pas. Je le trouve toujours. Je le trouve monotone. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il me fait, Louis Bot? Là, il me dit le live est offline. N'importe quoi. Ah ouais, il fallait que je fasse cette quête là, là. Le connard, le culte. Oh putain, ça fait bizarre de changer de jeu. Ah ouais, faut que j'aille là-bas. Alors déjà, faut que je coupe mon avatar, sinon il va me faire bugger. Il va me faire bugger ce salopard sinon. Et sur certains jeux, l'avatar qui bouge, il fait grave bugger. Il prend beaucoup trop de trucs. Oh, il voilà. Y a un animal là-dedans. Trouvé. Il est là-bas. Allez, petit oiseau, va attaquer! J'adore faire ça avec ce truc. Direct. Allez, je suis caché. Ah!
culte en même temps que j'ai niqué. Magnifique. Regardez les gens du culte, ça. Oui, j'ai pas de chalet. Merde, je vais lancer dans le vide. Son staff est bizarre, Ali. Allez, dégage. Ah, le bâtard, il m'a cassé les trucs. Fais-moi sortir de là avant que les gardes reviennent. Tu as ma gratitude éternelle. Il faut que je trouve ce que c'est. Je ne veux pas mourir ici, Mistyos. Fais-moi sortir. Allez, dégage. C'est le coffre. Allez, sors. Merci. Oh, ça c'est une cage à bestioles. Faites un ours ou une connerie comme ça dedans, tu le libères, ça fout le bordel. Bon, l'animal s'est fait défoncer tout le temps, mais c'est bon à prendre. Ouais, il va dire merci. J'ai libéré les... Il y en avait trois. Tu les as tous eus? Oui, les trois. Alors tu dois être plus doué que tu n'en as. Quelqu'un doit mourir. Je t'écoute. Les ennemis de Diona ont des hommes sur l'atoll de Kitra. Ils comptent utiliser ce lieu pour lancer des attaques contre Citer. Il faut que tu éradiques cette vermine. Tu veux m'envoyer seule? Oh! La nouvelle championne de Diona aurait-elle peur? Attention à tes paroles. Bon, assez bavardé. Elle veut que tu élimines le capitaine là-bas. Ensuite, ses hommes se disperseront. Le capitaine? Ça lui ressemble bien. Tiens, prends cet argent. Un instant. Tu as combattu... Quel culte! Le capitaine n'en fait pas partie. Ça pourrait être un dieu. Je m'en fiche, et que le seul moyen pour nous, c'est ce que tu cherches aussi, non? J'ai déjà ses faveurs. Tu n'y serais pas par... Elle ne peut simplement... Oh, si. Jean... Va, fiche le camp. Sinon quoi? Sinon... Ils ne ressemblent pas à des membres du culte. On dirait plutôt des mercenaires bien payés. Putain, je pensais qu'il y avait autre chose. Vu que je tue un capitaine, c'est bizarre ça. Ressemble aux ruines. Je l'ai en vue. C'est parti. Mmh.
ici. Pitié, arrête ça. Eh bien. Viens un peu ici. Oui, oui, je t'entends. Ah, je l'ai loupé. Je suis grand chose, hein, sinon pareil. Une arme de lâche. Diona voudra récupérer ça. Pas de pognon. Doucement. Il est arrivé à une vitesse le taureau là. Il a une paire de baloches, le machin. What the fuck? J'avais pas vu ce détail. Oh, ils ont mis jusqu'au petit détail. Hein. Des couilles en feu, il a. Des couilles en feu. Oh mon dieu. J'ai libéré tes mercenaires et je me suis occupé du capitaine, comme tu le souhaitais. Bonne nouvelle. Tu as porté un ornement et je te trouve de plus en plus séduisant. Voici ton sac d'apothicaire. Grâce à cela, nous allons pouvoir préparer les prêtresses au combat. Excellent travail. J'ai d'autres questions. À mon sujet ? Peut-être ? Le temple, où est-il ? Au guet d'Aphrodite, au sommet de la colline. Tu y trouveras la grande prêtresse, réfugiée dans ces quartiers. Je vais revenir. Dieu parmi les hommes. Ouais, mais le t'as m'a dit que... Aïe, vache, j'ai bien rigolé là. Là, j'ai bien rigolé. Il y a des quêtes partout. Comment le gars qui est venu l'autre fois il m'a dit il a fini le jeu en 50 heures, je sais pas comment il a fait. Il a dû passer tous les dialogues parce que toutes les quêtes que je trouve, c'est un truc de malade. Bon, qu'est-ce qui se passe? Empédocle soit loué, une mystios. Je n'ai rien fait de mal, mais ces prêtresses m'en veulent.
Je t'en prie, mon dieu est puissant, très puissant et riche. Son dieu ne vaut rien. C'est un chancre impie sur les terres sacrées d'Aphrodite, où seules les prêtresses doivent officier. Tu as dit riche ? Oh oui, Empédocle. Une foule te menace, mais tu veux que je le sauve lui et pas toi. Il a l'air d'être puissant, ton dieu. Seul Empédocle est capable de nous mener vers ses frères et sœurs sur le mont Olympe. C'est quel... Tu ne songes quand même pas à aider ces pauvres fous. Ce serait contraire à la volonté d'Aphrodite. Si ses prêtresses parlent... Bon, alors... Comme tu voudras, Mystios. Ça va aller. J'en sais assez. Ne t'inquiète pas, sors, Mystios. C'est la merde, on a parmi les deux, c'est pas la vie. Je trouve un étage de guide d'Aphrodite sur cette petite Saint-Terre. Ah ouais, super. Voilà le camp de Murex. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué mon fils! Une Mystios? Tu dois payer pour ce que tu as fait. Je n'ai pas tué ton fils. Ce n'est pas moi. Ce sont les dieux qui t'ont envoyé m'aider, n'est-ce pas? Si tu as de quoi payer, j'ai peut-être une solution. Bien sûr, je n'ai jamais imaginé qu'une intervention divine serait gratuite. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils a été tué à l'entrepôt de Murex, le crâne fendu comme une figue. C'est le dirigeant de Citer. Je les ai entendus se disputer dans l'entrepôt. Alors pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Tu mens! Va à l'entrepôt et découvre qui a tué mon fils, Mystios! Justice! Le meurtre de ton fils ne reste. Je vais aller à l'entrepôt, voir. Découvre l'identité. Je vais empêcher. Je suis innocent! Moi aussi, je suis innocent. Je savais pas jeter. Voilà, quelle odeur! Oh, qui aurait cru qu'une teinture puant autant pouvait être si chère? Il est là-bas. Ça a l'air d'être là. Encore des trucs. Il y a tellement de trucs à ramasser. Essayer de ne pas me faire voir. Allez, boum. Débarrasser des archers de merde. Pognon. Qui est là? Qui peut faire ça? Quelqu'un veut attirer mon attention? Ouais, viens, allez. Oh. Ah. Hop, il y en a un au-dessus de maintenant. Il y a encore une quête au-dessus là-haut. Il y a trop de quêtes. Plus je m'en débarrasse, plus j'ai des quêtes.
Oui. Voyez-vous, faibles humains, on ne peut enfermer le... Oh mais merde, j'arrive à rien. Oh, tout le monde presque mort là. Tranquille, là c'est plutôt tranquille. Parce qu'en même temps j'ai fait une autre quête. Voilà, in the pocket. Ce bracelet a l'air précieux. Peut-être un cadeau des filles du dirigeant. Ou une tentative de faire accuser leur père. Ah, peu de sang, et la tête a été défoncée. Probablement par une massue ou une arme semblable. Ce doit être l'arme du crime, couverte de sang séché. Et lourde. Le petit homme n'aurait jamais pu soulever ça. Mais what the fuck? Un donneur de quête qui m'attaque. Oh, on est dans les valseuses. Allez, tiding, ça fait. Je savais pas que les donneurs de quête pouvaient nous attaquer, mais ok. Thank you.
Qu'as-tu trouvé, Mystios? J'ai fouillé l'entrepôt et j'ai découvert un bracelet en or et une lourde tablette de pierre couverte de sang. Tu vois, je t'ai dit que tu trouverais des cadeaux des filles du dirigeant. Ça ne prouve pas ton innocence. Quant à cette tablette de pierre... Une tablette? Je ne sais pas de quoi tu parles. Mystios, dis-moi qui a tué mon fils. Cette vermine ou le dirigeant de Citer? Si le dirigeant du fort est aussi robuste que tu le dis, lui seul a pu soulever une tablette comme celle que j'ai vue. Je ne vois pas un voleur aussi maigrichon que lui se servir d'une arme pareille. Alors, va tuer le dirigeant de Citer. Tu seras payé quand il sera mort. Et fais en sorte qu'il meure lentement et dans la souffrance. Compte sur moi. Merci, Mystios, d'avoir lavé mon honneur. Ah ouais, il est tout là au long. Ah, putain, monter ça, ça va être marrant. Ça, c'est les bonnes quêtes. Quand on dit il faut tuer les dirigeants, c'est les bonnes quêtes. Meilleure quête. Allez, on va y exploser. Oh l'autre, il est tombé. Il est où le connard? Je savais que je te trouverais. Pas un mec du culte. T'es pas un mec du culte, du coup. Mets ton... On va aller voir lui, là. Dommage parce que ça aurait été drôle. Inutile de me remercier de t'avoir sauvé. Tes drachmes sauront le faire pour toi. Moi ? Te remercier ? Ici ? Sans public ? Non, mon... Il manque à notre spectacle l'ingrédient essentiel.
Retrouve-moi près de ma statue. Sous ma gueule. Nos pratiques sont différentes d'où je viens. Le respect dû aux dieux. Pas à ceux qui prétendent... Le monde est plein de querelles, certes, mais aussi d'amour. Accepte. S'il suffisait d'être enfermé tout nu pour être un dieu, il n'y aurait plus de place au Panthéon. Empédocle est peut-être un dieu, peut-être pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne bat pas à mort de jeunes hommes. Je te suivrai avec fierté. Frères et sœurs de Cythère, rejoignez-moi. Tu crois que cette trahison envers Aphrodite restera impunie? Tu ne crois peut-être pas à ma divinité? Même un dieu ne travaille pas. Bien sûr. Des vêtements te seraient utiles. Ah, t'as seulement peur de ma vraie nature. Mais il y a autre chose. Je vais t'aider. De mon calibre? Jamais. Viens, ma musculeuse. Et... Bon, écoute-moi. Mais je ne... La ressemblance est terriblement saisissante. Tu ne trouves pas? Terriblement. Un dieu n'a pas besoin d'aide. Mais bon, d'accord. Les dieux? Des histoires de famille. Allez. À l'arrivée, Fursi. Et tu veux récupérer... Ah, bien sûr. Les dieux... La patience ne fait pas... Se disent qu'elle est rapport. Merde, je me suis trompé. Tellement de quêtes. C'est pas trop les dégâts. Hein. Ouais, c'est lui quoi. Trouvé. Voilà. Victoire. Merde, je l'ai pas suivi, allez dégage. Allez dégage, je suis. Deux chasseurs de pieds au pied. Hein. Voilà.
va nous faire chier ceux-là. Allez, tiens. Ah, j'ai retrouvé ton disque. Loué sois-je. Oui, clairement. Je serais ravi de te présenter. Ça devrait être... Ça, ma chère... Un instant. Réjouissez-vous. Athéna t'attend. Arès veut te recevoir. C'est une promesse. Tu doutes de moi? Je doute... Comment oses-tu? Je suis quoi? Merci pour l'explication. Nous partons pour... Et rencontre... De fil. Oh. Ouais, non. Elle est où cette quête? Ah. Bon bah, hein? Peut-être ça la quête qu'il faut pour débloquer l'île, ouvrir la porte. La porte du Minotaure là ou du Cyclope, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais. En colère, en tout cas, parce que non, pas piqué. D'ailleurs, il est où ce guignol? Il est de l'autre côté? Ah bah c'est ça, ça va être ça. Je vais te ouvrir la porte. Je vous entends. Tu vois, ils sont là, les dieux. Derrière cette porte. Écoute. Je ne pensais pas m'absenter aussi longtemps. Citer, eh bien, si l'on souhaite répandre un nouveau fléau... Je dois dire que je ne m'attendais... Dissimulation, mon ami incrédule. Un déguisement pour tromper... Ah ! Tu les entends, toi aussi ? En effet, il y a quelque chose. Et la source de ce bruit, quelle qu'elle soit, doit faire deux ou trois fois la... Vite, serre-toi du disque. Quoi que ça puisse être, je suis prête. Mes frères et mes sœurs! Oh bah voilà, c'est une quête en fait. Ouais, c'est bien une quête. Il va pas être content d'être en slip contre ce qu'il y a dedans. Ah voilà, on le sait après. Le domaine de l'éternité, le foyer des dieux! Créateur de l'univers! Étendez vos mains puissantes et élevez-moi vers les cieux! Malade. Il est pas content, lui. Allez, c'est bien, c'est quoi? Grosse chose que j'ai eu à tuer. D'accord? Il a pas l'air content. Voyons si on peut faire ça. Le massa, le gros sac. Ah.
deuxième phase. Putain, il est vénère. Pardon. Ça, je fais que dalle. Oh, il était hard, hein. Il était vénère. Ça, c'est du combat. Ça. Il était gros, le. Pas content. Bon, bah, il éclatait le dieu. L'autre, c'était pas un dieu, du coup. Ah, la porte, elle s'est refermée, du coup. Donc, ça c'est du boss, les gars. Et les filles, c'est du putain de boss, ça. Le soleil, ça nique les yeux, là. Ça, c'était du bon. Là, c'est ça qu'on veut. Les jeux. Se faire péter le cul par des mobs incroyables comme ça. D'où la tontine déjà? Quête. Tous les artefacts. Lesbos. Putain, mais c'est où ce truc de merde? Pas là-bas? Quoi là-dedans là? Ah, ça y est, le cycle. J'ai jamais réussi à ouvrir cette porte, mais au final, c'est une quête. Vous voyez, c'est une quête, une vieille quête. Hein. Toute moisie, mais. C'est pas mal. Acquisition de contemporanéité. Acquisition d'une voix. Je viens remplacer vos enregistrements. Les humains ont suffisamment subi vos discours pompeux. Mister Fox se trouve à Lesbos. Ah, Lesbos. Okay. Appelez-moi Aletheia. Je suis la vérité et sa révélation, et je m'adresse à vous. Vous, les issus qui tentez de réécrire les lois de l'univers, vous qui manipulez les progrès humains, qu'espérez-vous obtenir?
plaît pas. Vous traitez les humains comme des singes utiles. Combien d'artefacts avez-vous ? Là, hop. Tiens, prends ton œil de cyclope. Tu as eu du mal à trouver cet artefact ? Je n'ai eu qu'à ouvrir l'œil. Regardez ce que les humains ont réalisé par eux-mêmes. La démocratie. Propriétaire m'a posé beaucoup de questions. Tu aurais dû m'accompagner. Dans votre quête éperdue de l'immortalité, vous allez mourir. Vous exécutez d'innombrables simulations afin de recouvrir celle. On peut pas monter. Mais enfin. C'est dommage, c'est dommage. Alors Lesbos. Lesbos, c'était où j'étais déjà. EB. Pas là-bas, j'étais moi. Si c'était là-bas. Il y avait un mec du culte. Donc il manque un artefact. Voilà, donc le gros c'est en Lesbos où je suis là. Où il y a le truc d'Aphrodite, machin. Faudra faire la quête du mec là qui se prend pour un dieu, qui casse les couilles parce qu'il parle beaucoup même. Et après vous le il se fait défoncer, on s'en bat les couilles, hein, j'ai envie de dire. Pas trop grave. Et du coup on tue le truc. Par contre faudra être HL hein, pour être ici hein, direct. Je crois que c'est du niveau 50 à ce que j'ai compris. Comme ça vous êtes au courant comment l'ouvrir cette putain de porte. Je vais prendre ma quête, je vais partir là-haut. Si on me voit ici, j'aurai des ennuis. Putain, les cyclopes. Au sac. Hein. Alors, qu'est-ce que... Ça, c'est l'aventure, le frisson, et aussi des richesses. Une bonne aventure, j'ai... Si tu as du temps et de l'argent... Je t'écoute. Un peu de discrétion, Mistine. Mais avant, toute chose a un prix. Paix, et je te remettrai une tablette contenant tout ce que tu dois savoir. Tiens, prends. Excellent. Voilà pour toi. Crois-moi, cette tablette te mènera... Quoi ? Mais dis-moi... Tout est sur la... Qu'est-ce que tu veux dire ? Regarde cette table. Ta récompense t'attend au large de la côte est de Citer, sur l'île de Diakovit. Une énigme à la con, comme d'hab. Alors, elle est où la synchro ? On va la faire comme ça sera fait et l'oiseau voilà, verra mieux des trucs. Ce sera plus précis. Donc, dès que j'entends qu'il y a des nouvelles sur le nouveau Assassin, j'entends une date, machin, je vous le dirai, mais je pense que c'est au courant en même pas quoi. Et logiquement, ce sera octobre, novembre, comme ça, ou peut-être septembre. C'est un plaisir avec un vieux. Je parie qu'on vient de partout.
pour vénérer Aphrodite. Grande prêtresse, ouvre pour que tu puisses me tuer. Qui t'envoie? C'est Diona qui m'envoie. Je suis une amie. Pourquoi cette idiote m'envoie-t-elle une mission? J'ai donné des ordres précis. J'entends qu'on les suive. Elle dit que d'après toi, il y a un traître dans vos rangs. On ne peut faire confiance à personne ces temps-ci. Que veux-tu faire concernant le culte? Je veux faire justice. Il a fait du tort à ma famille. Et il est normal qu'il paie pour ça. La famille est une excellente raison d'agir. Le culte de Cosmos doit répondre de ses actes. Et c'est à moi qu'il répondra. Tu peux peut-être m'être utile, finalement. J'ai envoyé une de mes servantes espionner certains des nôtres. Elle n'est pas revenue. Exactement. Mais je me moque de son sort. Je vais t'apporter l'information. Bien. Je sors. Allez, faut aller là-bas. Du coup, j'ai niqué les chasseurs de primes, il n'y a plus personne. Là, je suis tranquille. La vie est crue. Je l'ai trouvé. Va exploser le gifle. À la frontière. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où une servante pourrait se cacher dans les faubourgs. Ça doit être ici. Voilà. Voilà. De costaud de mer, voilà. Boum. Méfie-toi des noirs. Ce message est destiné à la grande prêtresse. Il faut que j'aille leur parler. Ah, il est là-bas. C'est où? Couché. Tout le monde va chercher à récupérer la prime. Faire les synchro en même temps. Ça va être long de monter 99. Tiens, connard. Je suis là, maman. Pour ça. Je suis venu pour ça. Allez, dégage. Sophia la dénonce. Ah! Ah!
vais pas m'essouffler. Allez, la démonte, elle est dégagée. Pas rien démonter, la démonte machin truc, je sais pas quoi. Hein. C'est fait démonter plutôt, c'est démonte. Pas beaucoup en pierre précieuse, pardon. Ça donne que de la merde. J'ai mieux fait de les acheter aux marchands, quoi. Navire, j'ai pas assez. Ouais, j'ai pas assez. Ça donne pas grand chose, hein, putain. Il faut casser d'objets que le truc il a même pas le temps de. Elle a été tuée. C'est peut-être lié à ce message. Il y est dit méfie-toi des moires. Et c'est tout? Le reste du message est imbibé de sang. Ça n'a aucun sens. Elle est morte pour protéger ce message. Sûrement pas sans raison. Nous ne saurons jamais s'il y a vraiment un traître parmi nous. Mais je ne peux pas en exclure l'éventualité. Tout n'est que confusion. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et on va payer pour ça!
Ta sœur t'envoie. Tu as trouvé quelque chose sur cette traite? Ta sœur a découvert une preuve de trahison. Quoi? Impossible! Mais qui cela peut être? Dis-le-moi. On ne le sait pas encore. Je vois. Je vais prendre mes précautions. Il y a autre chose? J'ai fait ce que tu m'as demandé. Mes éclaireurs nous retrouveront chez moi. Ils nous diront ce si nous avons un peu de temps à mon arrivée. Alors fais vite. Avec plaisir. Tout ça pour trouver un mec, hein, une fille. Nous t'attendions, si tu veux bien me suivre. Elle nous a ordonné de prendre soin de toi jusqu'à son arrivée. Tu dois avoir les épaules tendues. Je suis sûre que je peux arranger ça en attendant Diona. Tes préparatifs sont prêts, on dirait. Citer peut attendre un peu. Tant mieux, parce que moi, non. Allez, allez, Parlez-moi. Ça sera bien vite, hein. Elle est déjà partie? Oui, et depuis un bon moment. Diona a parlé d'éclaireurs et de leur compte-rendu. Où sont-ils? Diona en a fini avec toi. Malaka! Assez joué comme ça, prêtresse. À votre tour. Diona, on a fini avec toi, Mistyus. Tu vas mourir! Déjà, on va se calmer là. Putain, mais ils sont chauds, ouais. Allez, dégage. C'est pas mal, et en plus tu peux. Bon, allez. C'est pour la peine qu'ils m'ont fait. Des fouilles là, la villa, c'est trop bizarre. Toi, qu'est-ce qui se passe? J'ai seulement fait ce qu'on m'a dit. Diona m'a ordonné de t'amener dans le jardin. Pitié, ne me tue pas! Pourquoi Diona agit? Diona déteste sa sœur. Elle a rejoint le culte. Je n'aurais jamais cru. Je vais tuer. Elle est partie tuer la grande. L'hôtel. Tu fais confiance au visage que te montre ton reflet? Pas moi. Bon, ben on l'a trouvé. Salope. On l'a défoncé. Reste à distance. Ta gueule. Ça n'a rien de distance du tout.
Aurais-tu pas faire une ville un peu plus moins espacée là, tout groupé. Diona, où est-elle? Elle tient la grande prêtresse. À l'hôtel d'Apollon. Tu vois qui m'attaque? Jumelles, je n'arrive pas à le croire. Elle a toujours envié ma réussite. Vivre dans mon ombre a fini par lui coûter la raison. Tue-la ! Vite ! Vivre dans mon ombre ! Je t'aimais, Diona. Je n'ai jamais cherché à t'écraser. Mystios, tu dois la tuer avant qu'elle n'offre Citer au culte. Ça me brise le cœur. Mais il le faut. Ne parle pas de ton cœur, vipère. À vous ! Tu n'en as jamais eu. Je pourrais vous tuer toutes les deux. Je devrais peut-être, d'ailleurs. Tu veux nous tuer? Et tu penses que cela ira contre les volontés du culte? Ils se moquent de notre sort. Elle dit vrai. Parlez-moi. Si nous mourons, le culte enverra quelqu'un prendre la place de grande prêtresse. Les méthodes du culte n'ont pas de secret pour toi, n'est-ce pas, serpent? Assez! Il faut tuer Diona, dépêche-toi! Fais ton devoir, Mystios! Tue Diona! Taisez-vous! Ouais, de gauche. Toi, je t'ai percé à jour, Diona. C'est terminé. Parlez-moi, je vais vous tuer! Montre-moi comment tu danses, Mystios! Ah ouais, c'était elle, il faut être bon, regardez ce qui était au début. Allez, dégage. C'en est plus. L'adepte du culte a été démasqué, grande prêtresse. Ma propre sœur. Sa nature ne faisait pas de doute. Je l'aimais, malgré ce qu'elle a pu faire durant tout ce temps. Cet amour m'a... En effet. Tu as su protéger Citer en mon nom, Mystios. Quant au culte de Cosmos... Heureusement que j'ai tué la bonne prêtresse. En effet. En tant que grande prêtresse, mon devoir est de recueillir les égarés. Et si tu as rencontré les habitants de Pefka, tu sais pourquoi seule une intervention dit... N'y suis jamais allée. Tu as de la chance. L'une de mes prêtresses a été envoyée là-bas, et en est revenue bouleversée. Elle a parlé d'un homme. Mélite. Qu'en est-il de lui? Il terrifie et persécute la population de Pefka. Il mène de sombres activités, mais j'en ignore la nature exacte. Peut-être que ceci pourra t'aider. Merci, grande prêtresse. Maintenant, excuse-moi, mais je dois tout... Pefka. Vous voyez la Pefka, sérieux? Alors, donnez-moi la quête, donnez-moi la quête. Ah, c'est tout? Le siège du culte de Cosmos se trouve à Pefka, Mystios. Trouve Mélite et tue-le. Pefka.
C'est où ça, PFK? On va aller chercher le trésor. PFK, il faut trouver PFK. Hein. PFK, il faut le trouver. Il hein. Faut y aller. Hein. Dans toutes les îles qu'il y a. Oh, le saut! Vide. Cet homme ne perd rien pour attendre. Le trésor est à nous. Allez, Tom. Ne t'en fais pas. Bon, d'attaquer mon oiseau, toi. Ouais. Oh, mais. Interroger le vieux fou. Derrière, c'est un délire ça. Il regarde et après il se retourne normal. Il a regardé un caillou. Putain, il est génie quoi. Il met des PNJ, il regarde des cailloux. Je peux pas me TP, il est sur un zone machin. En Pécou, s'il faut que j'aille. Putain, je vais même pousser ça. Parce que là, je suis que 60. Le temps d'arriver 99, j'ai le temps. Hein. J'ai largement le temps, pardon. Le coffre impossible. Comment peux-tu en être certain? Parce que c'est moi qui l'y ai mis. Je veux dire. Non! 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 On va le laisser se barrer, on s'en fout. Ça fait quoi ce truc, elle m'a dit? Égine?
En focus peut-être, non? Ça n'a pas de sens ce que ça m'a dit là, m'a dit en Fécos, mais il y a rien qui s'appelle Fécos en fait. Lesbos, c'est où Lesbos? Putain, c'est tout là-haut. Oh, c'est tout là-haut. Lesbos. Odyssée dans le passé, libérer la prisonnière. Putain, faut que je fasse tout le tour et tout. Plein d'Achille là. On va stepper là-bas et on va y aller en bateau, on va aller sauver la prisonnière. Et après on va aller derrière. On va aller à Lesbos, on va récupérer le truc, puis on va voir ce que ça fait de fermer la cantine en fait. De la merde. À nous le gros là. Il y a des quêtes partout, mais vraiment partout, hein. Là c'est abusé. C'est où ça? Ah, c'est au bout. Allez, préparez les robes. Je vais faire le capitaine a quitté la barre. Découvert quand même, mais chier. Passe un coup. Ah,
L'assistance du mal péché, j'ai besoin d'une personne dans l'Europe. J'ai une amie. Bon, du coup, il reste une heure sur la terre. Là-bas. Putain, il y a même un point de découverte ici. Divertez-nous là. La voilà. Je vais faire point de découverte là, le synchro là. Il faut les faire parce que si un jour vous avez un mec qu'il faut buter, qu'il est sur cette petite île de merde, pas dans la merde. Tu connais cet endroit, Icaros? C'est ici que Lycomède a précipité Thésée vers sa mort. Oh, toutes les petites îles et tout qu'il y a là. Un chat dont je gorge là, c'est. Je peux pas le sortir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la baston. Il stop, c'est Google. Ah, c'est spartiel contre un machin. J'ai. Merci pour le cadeau. Il faut que j'aille chercher le dernier truc. Après on ferme l'Atlantide, on protège l'Atlantide. De toute façon dans les assassins on cherche toujours des objets magiques. À chaque fois qu'ils font de la lumière, comme... Ces bandits ont l'air drogués. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les pirates utilisent probablement ce fort comme vigie. J'ai fini la marine.
Merci. Dios, que me bendice. La liberté, merci. Merci. Ouvre mon cœur. Je te dois la vie. Que s'est-il passé dans ce campement? Kéré! Tu sais, je comprends pourquoi tu aimes ces quêtes. Les brigands ne se battent même pas. Et en plus, il y a du vin. Mais il a un drôle de goût. Barnabas? C'est dangereux par ici. C'est du vin de fleurs de lotus. Ces brigands sont drogués. Je ne me sens pas très bien. Ils sont défoncés, mais pas si fort que ça. Hein. Allez, dégage. Bien touché lui. Hein. Bon. Il y a deux trésors ici. Vieil homme, il est temps de rentrer. Mon Dieu. La vie est trop vue. Comment tu te sens? Oh, aucune importance. Tu as bu de la fleur de l'autre. Non, c'était de la divination. Tu es marié? Je veux bien t'aider à la retrouver, mais une vision ne nous mènera pas loin. J'ai eu trois visions. Une de les... J'ai trouvé cet holos sur une sirène. Si on peut l'appeler ainsi. Un holos! Ma femme les a toujours adorés. Elle a dû apprendre à en jouer auprès des sirènes. Je parie que Leda a dû... Elle était si envoûtante. Tu as eu aussi cette vision de Cyclope? Oui! Tousa et Poséidon m'ont pris la main. Ils m'ont entraîné au cœur des grottes d'A... Alors comme ça, Leda buvait du... Psyché me l'a montré. Les... Si Leda... Valise, Varus... As-tu des... Si... Ah mais n'importe quoi la quête. Anafi. Où Anafi? Y'a quoi là-bas? Je l'ai défoncé le cyclope. À moins que... Je me trompe. N'importe quoi, l'autre il boit du vin, il a des visions, ça y est, on va faire ça
On va faire c'est sa merde, on fait. On va chercher la merde. Mais n'importe quoi. Oui, il y a un mec, je suis désolé. Bizarre ça. On y va maintenant. Je savais pas qu'il y avait du monde sur cette île. Ça a l'air d'être là. Il y a un cyclope là-dedans. Allez, Joas. Il va me défoncer le cyclope, surtout. Ou je vais le défoncer. Attaqué à cause de ma nature. Oh. Toi, différente comme moi, ami, je Polyphème, toi, petite. Oui, petite. Polyphème, je cherche une femme qui est venue ici. Aucun ami, longtemps, doit aider à avoir ami. Ami, pêcher ensemble. Toi, aimes pêcher? D'accord, je t'aide à trouver un ami avec qui pêcher, et toi, tu m'aides à trouver la femme que je cherche. Jolie plage, petite, va voir. Petite va aimer, y aller maintenant. Mmh. Il est beau son cyclope. Aider Polyphème. Polyphème, c'est important. Tu veux dire Leda ? Petite drôle, pas Leda, la dame. Bizarre comme quête. Je ne t'inquiète pas même pas, il passe normal, il a changé, mais c'est pas grave. Par contre, moi je peux me faire dégonfler. Oh.
fait, il me fait passer à chaque fois qu'il y a des sanglier. Toute la zone là. Tu crois que Polyphème Cyclope ? Tu ne ressembles pas au Cyclope de Kefalonia. Il avait deux yeux, mais l'un était faux. Il s'est attaqué à Petite. Attaqué Petite ? Petite faire quoi ? J'ai mis son œil dans le cul d'une chèvre. Petite comique ! Peut-être pour ça que tout à l'heure il y avait un mec en bas. Mon grand. Petite, trouvez place jolie. Les goûts, ça dépend des gens, mais oui, je la trouve jolie. Devoir encore trouver ami. Polyphème aimait la poésie. Peut en faire avec toi. Dire à Polyphème pourquoi Petite, toute petite. J'ai autant de force que 10 guerriers. Je pourrais soulever une montagne. Forte comme Polyphème ! Attention, pas écraser petite chose. Quoi autre ? Ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire la fête. Boire et chanter, c'est bon pour l'esprit. Avec Ami, Polyphème aimait chanter. Encore ? Les seules personnes en qui j'ai confiance sont Barnabas. Petite à bobo dedans, comme Polyphème, pour toi. C'est... Autre cadeau pour Petite, épice de la dame aux beaux yeux verts. Unique cadeau pour Polyphème. C'est peut-être exactement ce que je cherchais. Alors, comme ça tu as une plage où aller pêcher. Besoin, ami, c'est tout. Je ne peux pas rester, mon... Eurylock, voici Polyphème. Polyphème, Eurylock. Veux voir la grotte ? Montre-moi tout, mon grand et nouvel ami. Ce rivage est le plus spectaculaire que j'ai eu l'occasion d'admirer. Je veux tout voir. Toi, petit, mais grand cœur. Tac. Alors, il est où le bateau ? Est-ce que j'ai laissé mon bateau ? Paros,
C'est où Pharos déjà? Sorcière. Pharos. Ah, c'est là-bas. Quelle quête de merde, mais c'est quoi cette quête débile qu'il me donne là? L'autre il a picolé un petit peu trop, puis ça y est, il me donne des quêtes. Oh. J'ai cherché les gens, machin. Bizarre. Bizarre ce gars. Oula. Non, c'est énorme là, le truc. C'est l'île là-bas. Un petit bateau là. Quel enfer pour reculer en bateau. Tombeau d'Aclès, trouver le stage machin. Dave. Des fois, faut bien regarder les murs, hein, parce que les fissures, machin. J'espère que je cherche pas un putain de fantôme, hein, parce qu'on est mal barré. Un peu comme ça là. Hop. Ah.
sais plus à quoi elles servent ces stèles, je sais plus. Je crois que c'est un truc. Moi, je sais même plus à quoi elles servent. La gonzesse à l'autre con est pas là. Hein. Allez sur Pharos, elle est partie dans la partie pour mettre de la. Allez, la dernière fois, pour te couper, de la tombe. Alors. Tac. Des fois j'ai des petits tremblements de manette, je sais pas pourquoi. Il faut que je lui parle. Des cochons. Alors déjà, il y a un clébard, super. On va monter. C'est une sorte de puma, là, je sais pas quoi. Sûr. Ah, c'est pas agressif. C'est étonnant. C'est l'île au cochon. C'est pour ça qu'on l'air affamé. Bienvenue dans mon empire, voyageuse. J'en suis l'impératrice, Circé des Océanides. Tu vis ici? Je manque à tous mes devoirs. Ce long voyage doit t'avoir épuisé. Il y a du vin dans mes réserves. Si tu veux aller nous en chercher... Je boirai volontiers. J'aurais pu la tuer. J'aurais pu lui dire meurs, sorcière, mais. Vraiment bizarre cette quête de rite, elle est fitting du rite. Tu as l'air délicieuse. Parfait, c'est ça. Bois ta dernière coupe. Respire pour la dernière fois. C'était sûr, mais j'ai joué le jeu parce que... Je l'ai violé. Merde, c'est par là-bas. Voilà. Ah, j'ai levé la... Même pas fait gaffe. Il y a de chasseurs, on s'en fout. Il y a de feu plus un, mais super.
pas vu que j'avais level up Max Keg. Conservait une liste de noms et de trophées. Ce bracelet a appartenu à une certaine Leda. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Faut retourner voir l'autre con au bateau? Où mon bateau? Oh, il y a un machin là. Et après, il faudrait que j'aille à Lesbos. J'ai TP sur mon bateau, putain. J'ai même pas de TP sur mon bateau. La quête, elle prend tout le bateau. Aïe, 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 aïe. Passer le temps, ah, sérieux. Sur le plateau, on peut pas passer le temps. As-tu des nous? J'ai. Oh, Maléda. Barnabas, il n'y avait pas plus de. Femme de peu de foi. Je vais t'expliquer. Leda, qui le possédait, a été... Comme toujours... Exactement. Tout ça pour... Non, regarde. Je connais bien ce genre de bracelet. Ils proviennent tous de l'Attique. La grotte. Il y en a beaucoup autour de cette... Il n'y a qu'un moyen. Tu as douté de... Ce qui compte. Bon, à quoi ressemble Leda? C'est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Une peau et des cheveux sombres, splendides. Ses yeux verts brillaient comme des joyaux. Et quand elle a... 3900, putain. Quand je vous dis qu'il faut... Vous voyez quand je vous dis... Preuve de caractère. Il faut prendre les points de synchro, je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'ai pas dit, je vous l'ai dit. Et ben voilà, pas comme ça tu peux te TP direct là, parce que là c'est une quête de merde, c'est une quête personnage en fait. Si vous voulez, il y a des quêtes comme ça qui sont pourries, c'est les quêtes personnages. Faudra les faire parce qu'il y en a certaines qui donnent des succès Steam. Si vous êtes chasseur de succès Steam, sinon pff, du temps c'est des conneries. Celle-là, j'ai déjà fait, c'était pas ouf. Sauf Persia. Vieux jeu ça, vieux jeu. Très vieux jeu. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai entendu de ces merdes là. Merci. Il
pas jusqu'à combien de temps que Midorian Arbor en fait. Jusqu'à où on... Jusqu'à quel stade on peut aller en fait. Je peux pas vous dire là-dessus là, je sais. Ce que tu voudras. Oh merde, j'aurais dû pas prendre. Allez. Tu vas finir par tuer quelqu'un. Allez. Allez, le taureau. Oh la vache. Je crois que c'était haut, mais c'est pas haut. Allez, une droite. Super. Au fond, ah ouais, il faut éviter de se faire voir. Plein de trucs. Tous ces cadavres. Serait-ce les enfers? Objet de quête. Ça pue du cul quand ça passe en cinématique. Cassandra. Il arrive comme ça en mode. Avec son sourire à la con. Genre, je t'ai fait peur, ah bon? Halt! Si vous approchez, je vous tue! Qui vous envoie? Pélénos? Anticlès? Ceux qui me menacent ne vivent pas assez vieux pour le regretter. Tu n'as pas du tout changé. Est-ce qu'on est aux enfers? Léda, c'est moi! Barnabas! C'était le nom de mon père. Je ne l'ai jamais dit à personne. Ton père? Petite, comment s'appelait ta mère? Comme moi? Pourquoi? Léda, dit Tac. Tu avais raison, mon ami. Léda a survécu, mais pas celle de tes visions. Cette fille est ta fille. Impossible. Vous n'avez aucune preuve. Petite, il y a très longtemps, ta mère et moi avons navigué ensemble. La nuit où j'ai perdu mon œil, une tempête nous a drossés contre les rochers. Mais Léda était courageuse. Elle a réparé la coque avec de la corde. Je l'ai enlacée et lui ai dit « Ne cesse pas de ramer. » Avant d'avoir rejoint la Terre. Oh, alors, elle t'a tout raconté. C'est bien. Après tout ce temps, Mère disait que tu étais un roi, que tu étais mort en affrontant l'Hydre. Il faut que tu saches. Mais... L'Hydre, oh la vache. Il faut que tu saches. Mère... Et... Je comprends. Nous la pleurerons ensemble. Pardon de te dire ça, Léda, mais tu nous as menacés avec une lame. Et sans oublier les cadavres. À la mort de ma mère, j'ai repris la ferme. Ensuite, des prétendants ont voulu m'épouser pour ma fortune. Mes refus les ont incités à essayer de me tuer. Tu te défendais, c'est bien. Laisse-nous t'aider.
Allez. De tels hommes ne sont pas du genre à abandonner. Pélénos et Anticlès. Ils vivent tous les deux près de... Allons-y ensemble. Avec vous, à mes... D'accord. Allez, on va défoncer les prétendants. Je reverrai ma Leda au cœur des champs dorés. Dis-moi, est-ce qu'elle s'est remariée ? Oui, avec un homme bon. Pour elle comme pour moi. Bien. J'ai prié pour qu'elle soit heureuse si elle en réchappait. Allez, on court, on court, on court. Eleusis, quel grand mystère me cache-t-il ? Ah ouais, ils sont agressifs direct. Ah ouais, ils éclatent tout le monde, ils s'en battent les couilles. Nous sommes sauvés. Et merci d'avoir fait le bonheur d'un... Ils ont... N'importe quoi. Maintenant que tu... Honorer ma mère. J'espère... Les dieux m'ont envoyé un... Croisant. Père, notre ferme est aussi la tienne. Tout va bien. Elle est aussi. Un jour. But... Terminé, un ami digne de convenir pour lui. Okay. Vous voyez, ça débloque des succès. Hein. C'est succès que j'ai même pas fait parce que j'ai tellement rushé le jeu sur le solo, sur la quête principale, que je me suis même pas fait chier à faire autre chose derrière en fait. Je vais tuer l'adepte et après je vais faire je vais arrêter de streamer tranquille. On verra bien. Au poste de navigation ! Guignol là. Allez, nickel. 1.5 synchro. Allez, à vos rames. On est à pleine vitesse. Ah, t'as vu. C'est si longtemps. La richesse des dieux. Ils ont mis un point de machin ici et un point là-bas. Ils se sont emballés sur les points de synchro. Mi
Quistio ? En fait... Ah ! C'est le navire de la porteuse de... Barnabas, ton tour ! En chair et en os ! Mikos m'a envoyé guetter ton retour. Je m'en doutais ! Je crains que ce ne soit grave, Barnabas. Il faut que je réfléchisse. Et toi, Quistio ? Je ferai ce que je... Méléus vit avec Mikos. Ça reste un coup pour être tranquille. En fait, c'est un peu débile de faire un mur comme ça. Est-ce que tu peux te faire attaquer par la falaise ? Par l'eau ? C'est un peu con. Le neveu de machin et le neveu de machin truc. Je l'éclate aussi. Hop. On fait les deux d'un coup. Quoi ? Faut que j'en ai le cœur net. Enchaîner longtemps comme ça. On va se enchaîner. C'est de merde. Allez. Oh, le vol qu'il a fait. Magnifique. Putain, lui il va casser les couilles, lui. C'est où le connard qui me tire à la flèche là ? Il casse tes couilles depuis tout à l'heure. Casse tes couilles là, à me taper là, de loin, comme une prostata là. Allez, Yann. Oh.
Allez, dégage l'ours. Mauvais, oui. Voilà, il y en a encore ou c'est bon? Je vais jamais y arriver. Hein. Putain. C'est plus un adepte que je chasse là, c'est... Voilà, allez, dégage. T'as un de merde. Aucune pitié. Ça, je comprends pour le professeur, ok. Tout. J'aime pas beaucoup d'indices, hein. Je vais faire cette quête de vite fait là, et après je décolle. Mmh. Ouh, c'est le gardien de vœux d'Ornas. Il n'y a pas que Neleus. Je me moque de ce qui se passe. Aide-moi à le... Tu connais bien ton... Je pensais que son... Allons, Barnabas. Bah, je... Laisse un peu de... Mais le temps oui. manque juste... Barnabas... Merci, tu sais. Nous ne devrions... Eh bien, quelqu'un du gymnase des champions... Aïetes a été... Ils étaient amis? Oui. Si c'est le médecin du... Je vais suivre. Merci, Miss. Voilà. C'est pour un mioche qui... Au bol au bide. Ah. Ah, il y a ça. J'ai accepté plusieurs quêtes, mais il n'y a rien ici. J'ai tellement de quêtes là, j'ai tellement de quêtes. Je ne sais même plus où aller, je ne sais plus quoi faire. Du coup, il y en a que je prends, je le fais pas. Je le fais pas parce que je les ai déjà faites. C'est pas intéressant en fait, c'est... Ouais, j'espère que c'est une bataille navale. Ah, ça a l'air d'être une bataille navale, je vous montre. Porte d'aigle. Compte sur mon équipage. Montrons-leur que notre... Voilà, on va faire l'attaque navale, là. Être aussi turbulent que tu Go.
pas mal des quêtes comme ça. Gardez cette vitesse! Elles sont rares les batailles navales. Hein. Augmentez la vitesse. Non, il y a ils sont moi. Je... Allez au maximal. On va jouer là. De merde. Alors, on est où? Il faut aller à Lesbos. Lesbos, c'est là-bas. On va y aller, on se met sur un port et puis voilà. Il y en a plus loin. Oh, toutes les quêtes. Synchro, je t'ai pas dit.
Des amours. Voilà, ça c'est fait. Un nickel mec. Merde, je peux le ranger, c'était plus de merde. 3008, elle fait plus de dégâts que la mienne. Arrêtez. Tout ce que j'ai là-dedans, regardez tout ce que j'ai. C'est tout le stuff qu'on peut pas casser, hein. Qu'on peut pas vendre. Donc il y a quoi faire, hein. Il y a quoi faire de bons combos en fait avec ces trucs. Il y a quoi de se faire plaisir, ouais. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Il y a quoi de se faire plaisir. On peut faire un hybride, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est bon. Et pas avec des vieilles lames d'assassins là comme avant là. Les vieilles lames là, avec ça là. Ouais, mes petits poulets, on se dit à une prochaine. Sinon, passez une bonne soirée, puis voilà.